Le Cartoon d'Or 2014 a été remis à Toulouse à un film d'animation belge, La Bûche de Noël, réalisé et produit par l'équipe de la série télé à succès Panique au Village. Ce court-métrage en stop-motion met en scène trois personnages, un cow-boy, un cheval et un indien, des jouets qui prennent vie. Le film a été réalisé par Stéphane Aubier et Vincent Patard, qui étaient absents pour la remise du prix. Les réalisateurs, ils se cachent toujours, on ne voit jamais. Ils existent ? Oui, ils existent, mais ils n'aiment pas ce genre de trucs professionnels, ça les rend mal à l'aise, ils sont très timides. Donc je suis timide moi aussi, mais le moins timide des trois, donc c'est moi qu'on envoie. Outre le prix, l'équipe du film repart avec un chèque de 10 000 euros destiné à financer des projets d'animation. La bûche de Noël dure 26 minutes, mais combien de temps a-t-il fallu pour réaliser ce film ? La réponse du producteur. C'est assez rapide en fait. Le tournage c'était 10 semaines et toute la production c'était 6 mois. Ils ont toujours travaillé sur des techniques rapides, même quand ils faisaient du dessin animé ou du papier découpé. Eux, le long temps de l'animation les a toujours embêtés, un peu comme un groupe de rock qui veut aller vite. Le Cartoon d'Or est remis dans le cadre du Cartoon Forum qui a permis à ce jour de financer plus de 500 films d'animation.